Notre invité est né le 25 septembre 1978. Alors tout d'abord, eh bien, joyeux anniversaire avec un peu de retard. Sa passion est le sport, mais il est également trésorier au CVAG. Il est aussi intervenant sportif dans le centre Notre-Dame de Neuilly, où il encadre des enfants handicapés en natation, judo et athlétisme. Notre invité est Rachid Kaïssa, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous parlerons de vos passions plus tard, mais auparavant, exploitons ensemble votre enfance. Où êtes-vous né, Rachid? À Nier, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez passé toute votre adolescence dans le 92? Oui, tout à fait, oui, oui. Depuis tout le temps, je suis un vrai Aniérois. Vous avez des frères, parce qu'on avait reçu votre frère il y a un certain temps, qui lui est musicien, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, mon frère, mon petit frère, et comme vous l'avez dit, musicien, et il essaie de vivre de sa passion. Vous êtes combien au total, Rachid? On est deux. Vous êtes deux. Quel handicap avez-vous? Alors, moi, mon handicap, c'est IMC, infirme moteur cérébral. Donc, c'est un handicap qu'on acquiert à la naissance. IMC, entre autres, on va dire, c'est pendant l'accouchement, on a été étranglé avec le cordon ombilical, ce qui nous laisse un handicap au niveau moteur. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas été oxygéné en temps voulu, et donc il y a certaines cellules qui ont été brûlées. Brûlées, tout à fait. Alors, comment vivez-vous ce handicap au quotidien, Rachid? On essaie de faire avec. C'est vrai que comme on est IMC, c'est un peu dur parce que des fois on a des jours où on se sent très bien, mais il y a des jours où on se sent très contracturé. Donc on essaie de limiter la casse par faire des exercices de respiration, de décontraction, et on essaie d'avancer au mieux. Le fait d'avoir eu son handicap, est-ce que vous avez le sentiment que vos parents vous ont donné une éducation différente de celle de votre frère? Non, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un milieu valide. C'est-à-dire que tous mes amis n'ont jamais fait la différence entre moi et mon handicap, et mes parents aussi. Donc on a été élevés comme deux enfants. Rachid Kaïssa, trésorier au CVAG, mais également intervenant sportif dans le centre Notre-Dame de Neuilly, où vous encadrez des enfants handicapés dans les disciplines telles que la natation, le judo et l'athlétisme. Comment vous organisez justement vos journées au sein de cet établissement, Rachid? En fait, si vous voulez, moi j'interviens dans les différents sports. C'est aussi pour démontrer aux enfants que le sport est très important pour eux, pour une personne handicapée, et que le jour où ils sortiront de cette école, c'est qu'ils puissent poursuivre une activité sportive. Parce qu'on se rend compte que hélas, encore les enfants handicapés, quand ils sortent des centres de rééducation, souvent, ils restent cloîtrés chez eux. Alors, comment vous abordez justement ces échanges avec ces enfants et quel âge ont-ils? Alors, moi, mes petits, ils ont entre 8 et 14 ans. Et ça se fait naturellement, en fait. Parce que comme ils voient que j'ai un handicap et que je suis sportif, on a un rapport très, très simple. C'est que on se parle simplement sur le handicap. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas me mentir parce que je connais le handicap. Donc, de là, on a toujours une discussion très sincère et très constructive. Alors, ces échanges, qu'est-ce qu'ils vous apportent concrètement? Moi, c'est d'essayer de leur donner confiance, en fait. C'est que moi, le sport, c'est rentré
rentré dans ma vie et c'est grâce au sport que j'ai pu réussir ma vie. J'ai pu m'affirmer, m'intégrer dans la société. Et ce que je veux leur apporter, c'est qu'ils commencent à prendre confiance en eux, en acceptant leur handicap, et qu'ils voient par la pratique sportive que oui, ils ont un handicap, mais oui, ils peuvent être indépendants. Est-ce qu'il vous arrive parfois, avec les enfants, d'avoir des tensions, des conflits ? Oh, ça a été rare, mais vous savez, un enfant, c'est un enfant qui soit handicapé ou pas. Il est vrai que des fois, il y a des enfants qui font un peu la tête ou qui veulent aller à la front de l'adulte, mais généralement, ça dure vraiment pas longtemps et dans la demi-heure qui suit, tout va mieux. Rachid Kaïssa, trésorier au CVAG, mais également intervenant sportif dans le centre Notre-Dame de Neuilly, où vous encadrez des enfants handicapés dans différentes disciplines, telles la natation, le judo et l'athlétisme. Pour vous, la famille, quelle est l'importance ? Alors, pour moi, la famille, pour une personne handicapée, c'est vraiment l'équilibre. C'est elle qui va apporter notre équilibre dans la vie quotidienne. C'est elle qui... Mais faut pas qu'on tombe dans la protection familiale. Des fois, je vois des enfants que les parents les surprotègent. Et le fait de surprotéger les enfants, le jour où, hélas, ils se retrouveront seuls, ça peut être très dur à vivre. Donc je pense qu'il est important et qu'il est aussi difficile de trouver un juste milieu pour les parents, pour apporter de l'amour à leurs enfants, mais aussi de leur donner leur indépendance et de leur faire confiance malgré leur handicap. Et c'est ça qui est un peu dur, c'est de faire confiance, de croire à l'indépendance de la personne handicapée. Vous, concernant votre cas, aujourd'hui vous vivez seul, vous vivez encore chez vos parents, quelle est votre situation ? Je vis toujours chez mes parents, non pas parce que dû à mon handicap, mais je me suis toujours dit, le jour où je partirai de chez mes parents, ce sera quand j'aurai une vie sentimentale. Alors justement, abordons cette vie sentimentale. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec la gente féminine et quel regard portez-vous sur les femmes et quel regard portent les femmes sur vous également ? Moi, je suis en couple depuis bientôt un an. Donc tout va bien. Tout va bien. Vous avez quoi ? Vous avez des, je suppose, des projets en commun ? Est-ce que il y a un mariage, des enfants en vue ou pour l'instant vous préférez vivre un peu au jour le jour ? On en parle, mais on prend notre temps. On prend notre temps pour avoir quelque chose de constructif. Vous, dans votre fond intérieur et le plus profond, vous souhaitez avoir des enfants ? Oui, bien sûr. Combien ? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez pas ? Et alors, vous êtes plutôt du genre fidèle ou vous aimeriez également pouvoir un jour avoir un harem ? Ah non, un fidèle. Fidèle quand même. Fidèle, il est très important d'être fidèle et je trouve qu'il est vraiment beau de pouvoir aimer qu'une personne et de pouvoir partager avec elle tant que courir à droite à gauche, non. Rachid Kaïssa, trésorier au CVAG, intervenant sportif dans le centre Notre-Dame de Neuilly, où vous encadrez des enfants handicapés en natation, judo et athlétisme. Est-ce que vous vous souvenez, Rachid, de votre première rencontre avec le sport ? Oui, ma première rencontre dans le sport,
c'était quand j'étais au collège, donc j'étais en milieu valide, et je m'étais inscrit en handball à l'UNSS, et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a intégré au sein de son équipe et qui m'a utilisé comme un joueur comme un autre, sans oublier le handicap, mais il a voulu de moi dans le groupe et m'a fait partager des moments inoubliables qui par la suite m'a vraiment donné envie de continuer dans la compétition. Alors justement, quel est votre parcours dans les différentes disciplines? Parce que bon, actuellement vous jouez au basket, mais je sais également qu'à un moment donné vous avez fricoté plus ou moins, vous avez une relation incestueuse avec le football également. Voilà, donc j'ai fait 2 ans de handball et ensuite j'ai fait 8 ans de foot. Donc c'est du foot à 7, du foot en salle. Et ensuite, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait du tennis, j'ai fait un peu de natation pendant un an. Ça m'avait un peu freiné parce que je suis plutôt collectif. Et alors, est-ce que quand on fait, quand on touche comme vous le faites aux différents sports, à un moment donné, le handicap et le sport, il y a peut-être des sports que vous n'avez peut-être pas pu exercer totalement en raison de votre handicap? Alors, c'est marrant de poser cette question parce que à la base, le basket pour moi c'est un défi. Je voulais en faire et j'en parlais avec un copain qui en faisait et qui m'avait dit, tu sais, le basket fauteuil, c'est pas trop pour les IMC. Et le fait qu'il me dise ça, bah pour moi, ça m'a donné un défi. Je me suis dit, maintenant que tu me dis ça, pour moi, la seule chose dans ma tête, c'est faire du basket et en faire en compétition. Donc ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Et je remercie vraiment le club de Gennevilliers qui m'a donné ma chance depuis le tout début. Aussi à l'entraîneur qui était à l'époque la scène et le nouveau coach Karim qui vraiment me font confiance, ne me mettent pas à côté et m'ont fait travailler dès le début, avoir les bases comme tout le monde. Et là, c'est aussi une fierté pour moi d'être au club de Gennevilliers depuis 8 ans. Rachid Kaïssa, trésorier au CVAG, mais également intervenant sportif dans le centre Notre-Dame de Neuilly, où vous encadrez des enfants handicapés dans les différentes disciplines telles la natation, le judo, l'athlétisme. Aujourd'hui, Rachid, qu'est-ce qui vous révolte dans le début du 21e siècle? C'est la bêtise humaine, la connerie humaine, le regard notamment sur les différences. Au contraire, pour moi, les différences, elles sont faites pour mieux se respecter. Et c'est dommage que les gens deviennent individualisme et matérialisme et oublient son prochain. C'est quelqu'un qui me révolte. Vous êtes plutôt dans le partage, la transmission? Oui, le partage. C'est important de partager, de pas tout garder pour soi, et au contraire, si on peut rendre quelqu'un heureux, faisons-le et n'oublions pas qu'on n'est que de passage sur cette terre. Sur cette belle terre. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer justement dans une aventure sportive? De croire en eux, de ne pas écouter les gens qui vont leur mettre des freins, parce que là, il y en a beaucoup, et même que ce soit en compétition ou en loisir, avancez, avancez, et vous verrez
que vous prendrez du plaisir, que ce soit en loisir ou en compétition, et vous serez fier de vous. Est-ce que vous avez des projets, Rachid ? Des projets, oui, oui, oui. Des projets, j'ai envie de m'investir dans une nouvelle association, donc pour mieux intégrer les différences dans la société. Donc c'est encore en phase de construction, on va dire, mais j'espère que dans quelques mois, revenir fort avec ce beau projet. Pour terminer, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous parler de vos points faibles et de vos points forts ? Ouh là là ! Vaste question. L'autocritique, elle est dure. Donc, alors, je vais te faire un peu le... Je veux dire que mon point faible, c'est ma gentillesse, et mon point fort, c'est aussi ma gentillesse. Donc, oui, c'est vrai que être très gentil, il y en a qui peuvent abuser, comme être gentil, ça peut apporter quelque chose autour de nous et faire avancer les choses. Et j'aime aussi être à l'écoute des gens, les écouter pour qu'ils avancent au mieux.